Parole de Dieu quotidienne. Les derniers jours arriveront lorsque toutes les choses seront classées, selon leur genre, par le biais de la conquête. La conquête est l'œuvre des derniers jours. En d'autres termes, le jugement des péchés de chaque personne est l'œuvre des derniers jours. Autrement, comment les gens pourraient-ils être classés? L'œuvre du classement qui est réalisée parmi vous est le début de cette œuvre dans l'univers entier. Après cela, ceux de toutes les contrées et de tous les peuples seront également soumis à l'œuvre de la conquête. Cela signifie que toute personne dans la création sera classée selon son genre, se présentant devant le siège du jugement pour être jugée. Aucune personne et aucune chose ne peut échapper à la souffrance de ce châtiment et de ce jugement. Et aucune personne et aucune chose n'est classée par genre non plus. Toute personne sera classée, car la fin de toute chose se fait proche. Et tout dans les cieux et sur la terre est arrivé à sa conclusion. Comment l'homme pourrait-il échapper au dernier jour de l'existence humaine? Et donc, combien de temps encore vos actes de désobéissance peuvent-ils continuer? Ne voyez-vous pas que vos derniers jours sont imminents? Comment ceux qui révèrent Dieu et désirent qu'il apparaisse ne peuvent-ils pas voir le jour de l'apparition de la justice de Dieu? Comment ne peuvent-ils pas recevoir la récompense finale due à la bonté? Es-tu une personne qui fait le bien ou une personne qui fait le mal? Es-tu une personne qui accepte le jugement juste et puis obéit? Ou une personne qui accepte le jugement juste et ensuite est maudite? Vis-tu devant le siège du jugement dans la lumière? Ou vis-tu dans l'Hadès au milieu des ténèbres? N'es-tu pas toi-même une personne qui sait très clairement si ta fin sera celle de la récompense ou celle de la punition? N'es-tu pas une personne qui sait très clairement et comprend très profondément que Dieu est juste? Donc, véritablement, quelle est ta conduite? Et quel genre de cœur as-tu? Alors que je te conquiers aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment besoin que je t'explique si ton comportement est bien ou mal? À quoi as-tu renoncé pour moi? Quelle est la profondeur de ton adoration envers moi? Ne sais-tu pas toi-même très clairement comment tu te comportes envers moi? Tu devrais savoir mieux que quiconque quelle fin tu recevras au bout du compte. En vérité, je te le dis, j'ai uniquement créé l'humanité et je t'ai créé. Mais je ne vous ai pas livré à Satan. Et je n'ai pas non plus intentionnellement fait en sorte que vous vous rebelliez contre moi ou me résistiez. Et que, par conséquent, vous soyez punis par moi. Toutes ces calamités et ces afflictions ne s'expliquent-elles pas par votre cœur qui est excessivement dur et votre conduite excessivement méprisable? Donc, ne déterminez-vous pas vous-même la sorte de fin que vous recevrez? Dans votre cœur, ne savez-vous pas mieux que quiconque comment vous finirez? La raison pour laquelle je conquiers les hommes, c'est pour les révéler, et aussi pour mieux t'apporter le salut. Ce n'est pas pour te pousser au mal, ni pour te faire marcher délibérément dans l'enfer de la destruction. Lorsque le moment viendra, toute ta grande souffrance, tes pleurs et grincements de dents, tout cela ne sera-t-il pas dû à tes péchés? Et donc, ta propre bonté ou ton propre mal ne sont-ils pas le meilleur jugement de toi-même? Ne sont-ils pas la meilleure preuve de ce que sera ta fin ?